Alors, corruption vénéneuse. Donc là, on est sur l'âge de l'aube écarlate. C'est une petite lune, apparemment. Il y a plusieurs canyons. Il y a la grande mer de sable étendue, les terres fantômes ou les terres perdues, les montagnes, je sais pas quoi. Un désert, on a des. Un canyon ici. Ok, corruption vénéneuse. The promise of battle makes his Primaris restless, eager. It is my duty to assess their potential here on the source of Balfora. Through combat, I intend to discover who these red-armored giants truly are. Some of them take in the vistas of the sort like bored tourists. There is little regard for the skies and sands that shaped our father. They will learn quickly, or Balfora will kill them. She does not tolerate laxity. I expect this priest we find will also be new to his role. There is no reason other than youthful ignorance to risk the angel's blood on the swords. In these days following Leviathan's devastation, we are a chapter awash with fresh blood. Ok, donc corruption vénéneuse. Le sergent Carléon est très respecté pour sa formation des nouvelles troupes incorporées dans la 8e compagnie des Blood Angels. Il est spécialisé dans les subterfuges et les tactiques de la doctrine d'assaut du Codex Astartes. Les effectifs du clergé sanguin ont durement été touchés suite au Léviathan. Pendant l'invasion, les apothicaires du chapitre ont inévitablement été requis comme soldats de première ligne contre les saints de Xenos. Le fait que l'un d'entre eux demande de l'aide alors qu'il est seul sur la seconde lune de la planète Balatine est une ressource pour se dépêcher de trouver. De traverser les salines. Ok, 600 tailles de points d'armée, d'accord. Donc on aura 600 points. The Bloodblades of the Eighth are ever eager to serve the sanguinary priesthood. Ok, c'est parti. Donc on a 20 points de trop. Ah. On va. C'est dommage, on perd 50 points, mais bon, tant pis. On va partir avec eux. Alors. J'essaie de les déployer à ma manière. Les SM, on va les mettre là, nos escouades d'assaut. Derrière. Et les deux agresseurs. Ça me semble pas mal. The blood of Sanguinius flows in my veins. Défendre le fer, ouais. Récupère aussi 4 génogermes, d'accord. Déjà, on va récupérer ça. Ok, donc il faut en récupérer un là-bas, un là-bas. Il y a du people, ok. Donc toi tu vas. Whatever the angel requires. J'essaie de le planquer derrière, mais bon. Ah, ça sent la merde. Alors, déjà. Du people, ok. Ok. On va essayer d'établir un périmètre défensif. Vous ne
ne passerai pas. Ah bah alors là, avec le déluge que je vous prépare, les mecs, si vous arrivez à passer, bah franchement, chapeau. Voilà. Toi. On les met tous en surveillance dès le début, comme ça, s'il y en a qui viennent vers nous, bah, qui se pointent. Je vais pas prendre de risque de me TP et d'aller. Il faut les laisser venir à nous, je pense. C'est ça le plus intéressant. Voilà, regardez. Il y en a déjà trois qui sautent. Allez, maintenant les agresseurs vont leur mettre la sauce. Excellent. Une unité de moins. Oh, par contre, la belle du people, ok. Ah, ils ont des armes là, attention. Ok, il y en a un qui a été touché salement. Bon, ok, ça va, il a bien encaissé, notre ami. Bon, ça va, c'est correct, on va dire. Allez, va les découper, toi. Je vais me replier là. Donc, il faut aller en chercher un là, un là. Ok, on va se mettre là. On va les canarder. C'est du thermagon, donc c'est de l'unité de base. Globalement, ça devrait le faire. Admettons que je me mette là. Est-ce que je peux tirer? Ouais. Ça calme, ça. Sanguinius guides every strike. With strength. Attends. On va tester un peu, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'ils peuvent tirer sur ça ou pas? On va voir un peu ce que ça donne avec le buff. Eh, encore d'autres qui tombent, c'est bien. Ouais. Oh, il s'est barré. D'accord, ça c'est cool. On va se reculer. Victory for the Black Blades. Victory for Scott. You will fall before. Allez, 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 sergent. Allez. On n'a plus de points d'action, malheureusement. On pilonne ici. Ça, c'est fait. Il nous reste encore cette unité d'assaut là. Ouais. Deuxième service. Casse-toi. Ok, il y en a encore d'autres là. Bon, ça va, il encaisse bien. Par contre, il va pas l'encaisser du sûrement. Ok, encore là. Je crois que je vais sortir mon prêtre de là parce qu'à mon avis, il va pas faire long feu. Si vous voulez mon avis.
My chainsaw thirsts for their blood. Allez. J'éviscère en son nom, ça doit être un coup critique à la tronçon, ça. Un truc du genre. Ok. On sait faire du dégât à distance. Bon, ceux-là ils sont bien amochés, c'est cool. Toi. My vengeance will be fun. Encore un qui tombe, c'est pas mal. Bon, on va se reculer. On va se mettre là. On va essayer de faire un couloir, un goulot d'étranglement ici. Voilà. We are the walls. We are the guns. Tour sanguinis. Heavy fire support. Assault marines ready. Ok, ça c'est fait. On va venir essayer d'assister le prêtre là, parce que, à mon avis, il va avoir des petits problèmes, notre ami. Surveillance pour tout le monde. Bon, là, logiquement, avec l'angle, ça va faire très mal. Voilà, il n'y en a plus. J'ai bien fait d'éloigner notre frère Aïtouro. Oh, il mange, il a bien bouffé. Donc toi, tu vas reculer encore. Alors vous. Vous allez venir là. Une petite surveillance là. Allez, on va leur tomber dessus. Déplacer, on va essayer de le faire bouger ici. On va plus vite on récupérera les objets, mieux ce sera. Là on va rajouter une escouade, l'une des escouades ici. On aura comme ça une escouade de chaque sur les deux côtés pour les contenir. On va tester le lance-grenade, tiens. Ah oui, mais ça déconne zéro ici. Ce lance-grenade, franchement, sur des véhicules, ça va être pas mal à mon avis. Bon, là au moins on a neutralisé la menace. When the day is darkest, we prevail through control. Donc 2 sur 4. Il va falloir descendre là en bas. Je sens le traquenard arriver. Je vais envoyer le... Bon, je prends un risque avec mon personnage, mais il est quand même blindé. Je vais essayer de l'envoyer pour voir s'il n'y a pas des trucs qui nous attendent en bas. Bon, apparemment non. On va se mettre là. Allez, tout le monde bouge, hop, 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 en petite foulée. Allez, allez, allez. Donc au moins chaque personnage a une escouade qui... des escouades complètes. C'est plutôt cool. Ça va nous permettre de bien les couvrir, quoi. They will regret coming this close.
Ok. Ouh, ça c'est de la cochonnerie ça. Alors vu le truc. Zone empoisonnée, d'accord. Et 2-3. Bon. Ces trucs-là, va falloir les dégommer à mon avis parce que vu ça va limite rendir. Ah bah je le trouve plutôt intéressant pour quelqu'un qui joue très rarement au jeu de l'univers 40K. On a de la saloperie là, du Venomtrop. Voilà. Il est plutôt intéressant, je trouve. Il est plutôt cool. J'aime bien. Pour le peu que j'ai joué au jeu de plateau, je trouve qu'on s'y croirait quoi. Voilà. Il met derrière une couverture complète. Alors, on voit le mouvement qu'il a ou pas? Ouais, il est très beau, franchement, ils ont bien bossé là-dessus. Y a rien à dire. Hop. Nouvelle attaque. On va reculer. Derrière, on va ramener une escouade de renfort. Lui, on va le faire reculer. Eux, j'en ai peur de ces trois-là. Ils m'ont l'air bien dégueulasse. Fin sans fin, ça augmente. Et des nuages de spores. Donc, à mon avis, il vaut mieux éviter qu'ils nous arrivent dessus. Je pense avoir compris le principe. On va pas trop se découvrir non plus. Voilà, surveiller confirmé. Oh. Bon, là, c'est mort. Ils vont tenter de nous contourner, évidemment. Je sais pas ce qu'ils foutent, mais bon. Ok, alors vous allez pas rester là parce qu'à mon avis, ceux-là sont en train de contourner, c'est qu'il y a une raison. Donc on va regrouper toutes nos forces. Oh, bah attends, tu sais quoi? Attention aux terres empoisonnées ici. Un petit coup de lame tronceau. Allez, cassez-vous. Une deuxième salve, allez. Bon, il n'y en a plus qu'un. Notre sergent fait le boulot, ça c'est bien. Je vais avancer avec mes tactiques. On va les mettre en position sur cette hauteur. Et on va mettre une petite surveillance accrue. Ouais. Surveillance pour tout le monde, allez. Je suis sûr que c'est... Ah bah ils reviennent. Eh bien, travaillez un peu. Ils sont costauds ces cons là. C'est du poison ça.
Parfait. Alors, toi. Ça me semble pas mal du lance-grenade sur ça. Voilà, ça prendra un peu de dégâts. Pas assez de points d'action, dommage. Alors, toi. Une nouvelle salve, allez. Ok. Il y en a un qui est tombé, ça c'est good. Close combat support. They will regret coming this close. Il faut qu'on les allume, hein. Look past their haze, brothers. Oh, c'était plutôt des bons shoots, ça. Of course. Alors, frère. Ah, t'as plus assez de mouvement, ça c'est dommage. Nous sommes les seigneurs de la doctrine d'assaut. Oui, j'en doute pas. Dans le doute, je préfère perdre une surveillance, mais je vais mettre mes agresseurs en surveillance dans ce secteur. Comme ça, s'il y a un problème. Oh non. Vous en avez encore combien des conneries comme ça? À mon avis, il vaut mieux éviter d'aller dans cette zone, je suppose. Il a mangé, c'est bien. Merci. Eh ben. Bon, il y en a d'autres. Il y a deux autres unités sûres. Plus celles qu'on a localisées. Là, j'aimerais bien aller là, mais le problème, c'est que je ne peux pas pour l'instant. Oh, le joli critique, là. Bon, les Space Marines d'assaut. Là, je vais éviter de trop me découvrir pour l'instant. Voilà, eux ils vont se couvrir sur une large zone. On va essayer de les faire couvrir comme ça, là. Comme ça lui pourra vite récupérer. Et nous après on achèvera les derniers tyrannides. On pourrait aller chercher les termagants, tu me diras, pour gagner du temps. Ah oui, ça calme effectivement. Mais je peux aller chercher ça. Oh. Oh, ils ont mis cher là. Voilà, meurs un petit coup. Ça tape plutôt sévère, c'est bien. Par contre, eux, ils sont grave dans la merde avec ça. Bon, on va avancer. Eux,
ils vont avancer aussi. Plus tôt ils avanceront, mieux ce sera. J'aurais voulu me les faire, mais bon, j'avais oublié que c'était en surveillance. Aïe, on en perd un, ça y est. Aïe. Ouais. Là, on va se faire zigouiller. Aïe. Ah, il y en a encore, c'est pas possible. Faut vite qu'on récupère cet objet, qu'on termine les tyrannies, là. Mais bon. Déjà avec ces surveillances là. Ça fait du bien. Aïe. Il nous en reste qu'un, lui, il va devoir se barrer parce que sinon on est dans la merde. Oh, ils sont nombreux là. Bon, ça, là c'est que du corps à corps, donc on a le temps de les voir venir pour l'instant. Là non, on n'a pas le temps de les voir venir par contre. Toi tu récupères ton truc et on se casse. Débarrasser à raison des derniers tyrannies. Eh ben ok, on y va. Qu'est-ce que c'est fou. Bon, on en a battu deux sur les trois, c'est bien. Lui, il faudrait peut-être essayer de le faire reculer ici, par exemple. Ah putain. Ouais, j'avais pas vu, j'avais oublié l'attaque d'opportunité, super. Bon, lui, on va essayer de le découper. Voilà, parfait. On va enchaîner là, en mode rage. Voilà, il y en a déjà 3 qui sont tombés. Hop. Ok. On va juste avancer d'un cran ici. Un cran là. On va le remettre là, on va essayer de soigner. Alors, qui c'est qui a pris un peu de dégâts? Bon, on va le soigner complètement pour 9 PV, mais bon. Ok. Ouh, 80 PV, ouch. Non, mais faut arrêter d'en renvoyer à tir larigot là. Bon, ça va. Ils en ont 3 d'eau qui tirent et 3 au cac. Ouh là, lui, il va manger par contre. Ah oui, bah rajoutez-en, bien sûr. Attends. Toi, tu vas te reculer. Ça, c'est bâtard. Bon, faut les dégager, sinon... Bon, il va y passer aussi. Pas les finir. Hein. Ah,
c'est fait ici. Alors, vous. Ouais, on va réaliser mes squads, il faut qu'on tienne le contre le gars quoi. Voilà, comme ça ça dégage. Ça là on passe, là on renforce. Il faut le soigner. Voilà. Oh ça va. On encaisse bien pour l'instant, c'est pas mal. Donc là ça va être plus compliqué. Ok. Il y en a un qui est tombé mais bon. Dites-moi qu'ils en ramènent plus. Allez, on continue. Cette fois, on va y aller au lance-grenade. Ah, je peux même pas. Ok. C'est bien. Allez, encore deux. Il reste plus que ces deux unités là. Il y en a une qui est juste un peu pleine, on va dire. Ouais. On va les massacrer jusqu'au dernier, c'est ça le bête. Bon, un seul, ça abuse un peu, mais bon, bref, ok, pourquoi pas. Donc là, il n'y en a plus qu'un, on va essayer de l'achever pour être tranquille. Dommage. Bon, lui est bien amouché, c'est le plus important. Et eux. J'ai plus assez de points d'action. On va avancer avec le prêtre. His blood invigorates me. Bon, ça va. La dernière unité tyrannie devrait pas faire non feu. Eux, en vrai, sur des grosses cibles au corps à corps, ils pourraient faire du gros dégâts. Ça, c'est plutôt cool. Maintenant, on va tirer.
Captain Matano, you've earned the rank, brother. Use it. At these council meetings are a swift reminder of how unqualified the title feels. Pray distract me from all this talk of logistics and recovery. Give me your assessment of the Primaris. They're still courting beautiful Balfora. Plenty of courts remain for them to stretch their muscles. They've just finished intervening on behalf of Brother Arturo, in fact. The priest! I sent him with Pentasio to clear the Xenos pools west of the flats. Where is the sergeant? Dead, along with his men. Sergeant Pentasio insisted I retreat from the alien pools with the few progenoids I had, right before his own throat was crushed. There was a foul presence among the alien towers. Show me. Take me to where you left Pentasio to die, priest. You will recover our brother's remaining gene seed, despite whatever you think lurks within those festering pits. Ok, donc on va devoir aller traquer une saloperie encore. On sait pas ce que c'est un truc qui arrive, mais ça va être bien gros vu le truc. D'accord, liste limite d'armes augmentée, plafond d'unité augmenté, d'accord. Bon, lui. On va faire ça, ça va augmenter de 25% les dommages en mêlée. Ça, je prends. Et lui, on va lui rajouter quoi? Donc là, il nous faudra 2 points. Lui, il faudrait que je lui fasse, prenne ça. Donc on va garder ce dernier point. Ah, il peut avoir un lance-flamme à la fin, ça c'est fort. Ok. Alors, sans deux mises à niveau de l'armée, c'est pas ce que je veux. Gestion de l'armée. Ok, on va prendre un dernier squad, une escouade tactique. Hop.